terroir, écologie, gourmandise et bonnes adresses, bienvenue dans l'épicerie fine. Cette semaine, je vous amène en côte orientale corse, à l'est de l'île de Beauté, et l'on se retrouve ensuite pour cuisiner ensemble. Cette semaine, nous partons sur la côte orientale corse, dite aussi Corsica Liventina. Nous retrouverons Mathieu qui cultive un fruit d'hiver, sans pépins ou presque, la clémentine. Et Antoine Orsoni, dans sa ferme auberge, pour découvrir le brooch du maquis à l'assiette. Dans Histoire 2, on reste sous le signe des agrumes avec le citron. Puis nous mettrons le cap sur les lagunes et leur préservation. Pour finir, on vous livrera quelques bonnes adresses de terroir avant de laisser Guy Martin nous concocter un quasi de veau à la liqueur de myrte. Et on commence tout de suite par Itinéraire paysan. La route qui longe toute la côte orientale corse est entourée de montagnes, de plages et de vignes. Si la viticulture a démarré ici en Corse, cette partie de l'île abrite désormais d'autres activités agricoles. Le maquis profite aux éleveurs, comme Antoine, qui y mène chaque jour ses brebis. Plus bas, la terre humide et sablonneuse permet la culture de différents fruits, comme la châtaigne, les noisettes ou les agrumes. À Santa Maria Poggio, Mathieu se rend justement dans ses 3 hectares de vergers surplombant la mer pour récolter ses clémentines. Cet ancien ingénieur de formation a repris le verger de ses parents et achève de le convertir en bio. Un mode de culture qui se prête à ses convictions et finalement assez bien à ce fruit habitué aux fortes chaleurs. C'est le père Clément, hein, en 1900, qui a inventé la clémentine. C'était en Algérie et elle s'est développée beaucoup au Maroc. C'est son pays de prédilection. C'est là qu'elle s'est épanouie le plus vite. Ensuite, elle a été introduite en Espagne et dans les années 50, elle a été introduite en Corse et elle s'est développée pour faire un verger aujourd'hui de 1500 hectares. Le seul verger français de clémentine. Le réchauffement climatique pourrait changer la donne. Mais à ce jour, seul le climat corse permet de cultiver la clémentine en France. Celles de Mathieu sont cueillies à la main, au sécateur, afin d'attendre le meilleur moment. Ben ça, c'est... Donc, clémentine cueillie donc, avec sa feuille, son pédoncule, avec une, deux ou trois feuilles, c'est préférable. La peau très fine, hein, c'est ce qu'on recherche. Facile à éplucher aussi, également. Très juteuse, acidulée, c'est ce qui est recherché, le côté acidulé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, hein, mais c'est vraiment une caractéristique de la clémentine de Corse. Les feuilles sur les fruits et la peau encore un peu verte témoignent du mûrissement naturel. Ici, toutes les clémentines arrivent à maturité sur l'arbre, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres bassins de production comme l'Espagne ou le Maroc. Ce qu'ils font, c'est tout simplement qu'ils ramassent le fruit, alors tout vert cette fois-ci. Ces produits sont ensuite traités avec des fongicides pour pouvoir tenir un mois ou deux. Et au moment où le marché est porteur, on va rentrer ces fruits en chambre chaude, injecter un gaz qui s'appelle de l'éthylène. Et en 48 heures, on va avoir un fruit qui sera tout rouge. Alors qu'en vérité, il a été cueilli, lui, pour le fait, tout vert. Donc, c'est pas du tout le cas de ce qu'on fait ici. C'est même plutôt l'inverse. Ici, on travaille pour le fruit et en petit comité. Susanna, Johnny et Ashmi reviennent tous les ans et connaissent parfaitement le verger. Pas trop mouillé, on peut faire le petit tour là. Comme ça, on est tranquille et on descend dans les bio. Hein? Quand on est agrumiculteur, on récolte, on entretient les fruits qu'ont plantés ses parents. Moi, c'est mes parents l'ont planté en 1969, ce verger. Il faut 10 ans quand on plante un arbre pour qu'il arrive en production. Donc, c'est un métier qui se voit dans la longévité. On est dans une continuation d'une activité qui avait été commencée par mes parents et qui sera, j'espère, continuée par mes enfants. Dès que les fruits sont récoltés, c'est une course contre la montre qui démarre pour les acheminer sur le continent. Mathieu les apporte dans le tout nouveau centre de tri qu'il a créé avec d'autres agrumiculteurs. Après avoir tenté une conversion bio il y a 10 ans, Mathieu avait dû abandonner car il était seul à proposer ce type de produit et les débouchés manquaient. Depuis, il a réussi à convaincre une quinzaine d'agriculteurs de passer en bio et de créer ce lieu. Ouais, c'est bien ce que je vois là. Les journées sont chronométrées pour livrer à temps la production. Les clémentines sont nettoyées, calibrées et mises en caissette. Il faut dire que l'insularité complique un peu les choses. C'est la fin de la course contre la montre. On s'est dépêché pour les cueillir, pour les amener ici. Le bateau cette nuit et demain matin, ça sera sur les marchés. On a le problème, bien sûr, de la sortie de nos produits avec les horaires de bateau, le coût que ça représente. Si ce soir, ces clémentines ne partaient pas, on perdrait une journée de fraîcheur et cette régularité entre nos vergers et nos clients.
Un peu plus au nord, au pied des montagnes, à Prunelli di Casaconi, les journées d'Antoine sont rythmées par les brebis. C'est la période de mise bas, alors il commence par séparer les mères de leurs petits. Oui, ça, elle vient de le faire. Oui. Donc il faut que je l'attrape et mette le bassin. La plupart du temps, c'est la nuit ou alors dans la journée quand elles sont au champ. On voit plus ou moins celles qui a mis bas et on les met de côté, quoi, pour pouvoir s'en occuper. Les petits bébés, presque à la naissance, ils commencent à suivre leur mère. C'est plutôt pour les mères, pour leur sortir le surplus de lait. À cette période, Antoine fait la traite à la main, car il récolte peu de lait. Il prélève juste le surplus que les agneaux ne têtent pas et de quoi soulager les brebis. Il s'occupe ensuite du reste du troupeau, lui aussi de race corse, évidemment. La race corse, elles sont petites, elles doivent peser dans les 20 kilos. Donc nous, on reste toujours là-dessus parce que vous allez voir que quand on les lâche, elles montent dans la montagne, tout ça. Que les autres, elles ne prendraient même pas le sentier. Les brebis ne se font pas prier pour sortir et semblent bien connaître le chemin menant à la forêt qui entoure la ferme d'Antoine. Elles ne se perdent pas. Elles sont habituées, hein, elles se suivent. Quand il y en a une qui part, elles partent, c'est les brebis. Hein. Puis elles bêlent, il y en a toujours une qui bêle, hein. Elles se suivent comme ça. Hein. C'est une race du terroir qui sont rustiques. Que nos vieux, ils ont passé des centaines d'années à les créer, ces races. Parce que les anciens, ils n'étaient pas à l'ordinateur. Ils étaient derrière la bête toute la journée. Ils savaient ce qu'elle mangeait et ce qu'elle buvait. Les nouveaux bergers ne savaient même pas ce qui pousse là où ils se trouvent. Là, c'est les dents. La lime en Corse. Hein. Toute la qualité du lait provient de là, du gland, de la châtaigne. Le lait est très gras. Tu peux voir partir ce qu'il y a comme gland. Hein. Antoine quitte ses bêtes pour transformer leur lait. La fabrication de ses fromages frais lui permet après égouttage d'obtenir le petit lait avec lequel il fera le brooch. C'est un dérivé du fromage que les éleveurs ont pris depuis longtemps l'habitude de faire pour ne rien gâcher. Il met le petit lait à chauffer, y ajoute un peu de lait entier, puis attend patiemment. Donc le secret du brooch, c'est d'aller doucement et d'être attentif. Si tu n'es pas attentif, en 2 secondes, c'est brûlé. La confection du brooch est un savoir-faire qu'Antoine a acquis dès l'enfance. C'est ma mère, je la voyais faire. Après, c'est quelque chose qui reste dans la tête. Hein. C'est gravé après. Tu sais qu'il faut faire doucement pour qu'il soit bon. Hein. Ça a toujours existé, mais c'était pas aussi couru que maintenant. Maintenant, tout le monde parle de brooch. Donc, c'est plus facile à la vente, tu vois. Mais je le fais toujours dans la tradition. Je ne cours pas. J'y cours pas après, quoi. C'est lui qui me fait courir. Composé avec le temps, comme avec la nature, Mathieu lui aussi le fait au quotidien. En partant de la coopérative, il emmène Marina dans ses vergers de clémentine. Cette chercheuse travaille auprès de nombreux arboriculteurs et mesure l'impact de leur culture sur la biodiversité. En tant qu'agriculteur, Marina, on attend sa visite toutes les semaines parce qu'on est face à beaucoup de décisions à prendre. Il se trouve qu'en agriculture biologique, comme on est dans une phase de conversion, on a des choix qui sont encore peut-être plus compliqués que d'habitude. Et le fait d'avoir une personne qui tourne sur 150 parcelles différentes, comme Marina, qui arrive avec ce qui a marché chez nos voisins, ce qui n'a pas marché. Donc elle va finalement nous donner le conseil dont on a besoin pour prendre ou reporter une décision. Agrimiculteur, si on est isolé, on est amené à prendre de mauvaises décisions. En fait, ça permet de faire une compilation d'expériences et de cumuler tout ça et de réussir à orienter au mieux les agriculteurs pour progresser ensemble, en fait. Tu l'as mis à quelle époque de l'année ? Je l'ai mis en fin d'hiver. Pour proposer des solutions concrètes et favoriser la biodiversité, elle mène plusieurs actions, comme la pose de ses nichoirs à maisons charbonnières.
Oui, il a été habité. Oui, ça a pris la forme du nichoir, tu vois, c'est carré. Oh, très bien. Très bien. Bon, mais ça, au moins, ça a fonctionné. Ouais. C'est parfait. Le principe, c'est d'essayer de favoriser la biodiversité qui existe déjà, en fait. Et en couplant ça avec des pratiques raisonnées, donc comme des lâchers d'auxiliaires qui vont venir lutter naturellement contre l'insecte qui nous embête, on arrive à avoir un résultat satisfaisant. Et ce verger ici, par exemple, n'a pas été traité du tout contre ce parasite. Ça a été entièrement géré comme ça. Une ou deux araignées. Le métier que je fais, agriculteur, c'est un métier que j'ai choisi. C'est un métier qui est fantastique parce qu'on est sur du vivant. Et devoir s'adapter en permanence au monde du vivant sur un territoire comme la Corse, c'est tout simplement quelque chose qui apporte beaucoup de plaisir. Et ça fait plus de 25 ans que je suis dans ce métier et je ne regrette pas du tout ce choix. De son côté, Antoine termine de rentrer les bêtes, mais sa journée n'est pas finie pour autant. Il y a un an, il s'est lancé dans un nouveau projet. J'ai mis en place une ferme auberge parce que j'aime bien l'amitié, j'aime bien le recevoir. C'est la continuité de ce que je fais en bas, je le monte là-haut. Donc, à place d'aller voir les gens, c'est les gens qui viennent me voir. Je me lève à 6h du matin et je me coucherai à 1h ou 2h du matin. Mais j'ai un bon sommeil, je dors bien la nuit. Le peu d'heures que je dors bien. Le soir venu, Antoine troque son habit de berger pour celui d'aubergiste avant de rejoindre sa femme Siam en cuisine. Là, tu peux les mettre à cuire, mais tu mets juste à demi-cuisson. Tu les enlèves et quand ils mangeront les miettes choules, tu termineras la cuisson. D'accord. Au menu ce soir, de la charcuterie et des miettes choules, petit beignet au fromage frais, du figatel et un gâteau au brooch, le fiadone. Cuisinière de formation, Siam prépare des plats régionaux avec les produits de la ferme pour la quinzaine de personnes attendues pour le dîner. Tous nos produits, en général, viennent de la ferme auberge. Ça fait longtemps qu'il voulait faire ça, tout en restant, je dirais, dans son domaine, c'est-à-dire berger. Et je le fais avec lui, je l'accompagne. Avant de passer à table avec ses convives, Antoine termine de cuire les figatelles au feu de bois, comme le veut la tradition. C'est la tradition, on oint le pain. On prend le gras du figadier sur le pain, le soucho. En Corse, on dit au soucho, le jus. On t'agrée. Je ne suis pas content, je suis heureux. La joie, c'est le bonheur. C'est le sens que je vais donner à ma ferme auberge. Je pense que j'ai réussi. On verra pour la suite. Comme bien souvent, le repas se termine au son des chants corses. En faisant doucement évoluer les traditions, Mathieu et Antoine honorent leur île et leur terroir. Et tout en s'efforçant de concilier agriculture et environnement, élevage et pastoralisme, ils respectent ces paysages qui portent en eux toute l'âme de la côte orientale corse. Partons maintenant découvrir un autre emblème de ce terroir, le citron. C'était une fois une petite boule jaune originaire du Cachemire, aux confins de la Chine et de l'Inde, et qui arrive en Méditerranée en l'an 1000, grâce aux Arabes, le citron. En Corse, les premières traces de son commerce remontent au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il pousse du nord au sud, mais la zone de production se trouve sur la plaine orientale corse. Et c'est la variété Eureka, venue elle de Californie et florissant 4 fois dans l'année, qui est la plus cultivée sur l'île de Beauté. Les vergers à perte de vue diffusent les parfums de son épaisse écorce jaune et de sa pulpe juteuse contenant peu de pépins. Sur les tables corses, il se retrouve en zeste dans le fiadone, un gâteau au brooch, en simple filet sur les salades ou en quartier aux côtés du loup grillé. Source de vitamine C, il évitera le scorbut à bien des marins au cours de l'histoire et continue d'être un allié santé sous toutes ses formes, comme siroter le matin à jeun avec un peu d'eau tiède et surtout pas chaude pour garder toutes ses qualités.
C'est dans une nature qu'il nous appartient de protéger que naîtra toujours notre alimentation. Dans l'écologie en action, on se concentre cette semaine sur la préservation des lagunes. Si l'on dit souvent de la Corse que c'est une montagne qui se jette dans la mer, de nombreuses lagunes sillonnent aussi l'île et la côte orientale, comme celle d'Urbino, au sud d'Aleria. C'est là que Marie Garrido, qui travaille sur la préservation de ces zones humides pour l'Office environnemental de Corse, se rend aujourd'hui. La salicorne, des joncs, plein de paysages différents. Enfin, je trouve que ce sentier, il est vraiment agréable. Ce sentier a été ouvert en septembre 2019 pour permettre aux visiteurs de se promener sans abîmer les berges. Les zones humides ont été mal perçues en fait, pendant de très nombreuses années. Elles ont subi une mauvaise image, donc ça véhiculait des maladies, c'était malodorant. À travers le comblement, l'assèchement en fait, de ces zones, elles ont subi donc, des pertes et des dégradations importantes. Et les nombreux travaux en fait, ont permis depuis maintenant plus de 30 ans de se rendre compte que ce sont des écosystèmes qui sont essentiels. Essentiels pour l'homme, aussi bien au niveau écologique que social et économique. Longtemps bercée par l'activité ostréicole, la lagune d'Urbino n'est plus aujourd'hui arpentée que par certains pêcheurs, comme Louis. On va pouvoir aller sur l'étang ? On va y aller. Oui. Marie est en charge de la coordination de l'ensemble des projets de préservation de ces lagunes. Aller à la rencontre des pêcheurs lui permet de constater les difficultés de ceux qui sont sur le terrain. Et là, je vois d'ailleurs qu'il y a des cténaires. Vous en avez encore beaucoup ? C'est plein. Encore ? Ouais. Donc en fait, là, on a Memiopsis leidi dans l'étang. C'est des cousines de méduses qui créent énormément de dégâts pour les pêcheurs parce qu'en fait, ça colmate les filets à tel point qu'ils ne peuvent plus du tout pêcher. Et ça, c'est un réel problème. Hein. Donc l'idée, c'est d'allier en fait le social, l'économie et l'écologie, donc l'environnement. Ce lien économie-écologie, il est essentiel du moment où il est respecté et fait en fait avec beaucoup de bienveillance et de positivité dans les deux sens. On pourrait avoir une production intensive sur les temps, mais on sait très bien qu'on va vite épuiser la ressource, on va dégrader l'environnement qu'est le système et l'écosystème lagunaire. Donc on aura forcément in fine très rapidement une diminution en fait, de ces ressources. Donc une activité qui va s'amoindrir. Là, en fait, on équilibre le tout. La pêche terminée, Louis accompagne Marie vers une plateforme flottante installée il y a quelques mois et dédiée à la nidification des oiseaux. Il en existe trois en Corse et celle d'Urbino est la plus grande d'Europe. Donc sur cette plateforme, on peut accueillir des goélands, des sternes. Il y a 9 espèces qui appartiennent aux laronimicoles. Pour pouvoir donc avoir une chance qu'elles se reproduisent sur la lagune. Donc préserver en fait la présence de ces espèces sur les sites puisque les étangs, les lagunes sont des milieux privilégiés pour l'accueil en fait de la vie faune. Ces lagunes sont des lieux de transition réunissant plusieurs milieux et la présence de certaines espèces détermine également leur niveau de protection. Les zones humides, ce sont les milieux les plus fragiles et les plus menacés à travers le monde. Il semble plus encore nécessaire dans un contexte de changement climatique de préserver et de conserver ces milieux puisqu'elles nous rendent énormément de services et de fonctions. Limiter les impacts des crues, puisque ce sont des bassins en fait, de rétention naturelle. Stocker l'eau et donc la redistribuer en cas de sécheresse. Il va y avoir aussi une défense en fait, du littoral par rapport aux vagues submersives. Donc voilà, elles nous rendent énormément de services et elles remplissent énormément de fonctions pour l'humanité. Alors que sur la lagune d'Urbino, la préservation semble être en bonne voie, les huîtres creuses élevées sur celle voisine de Diane font face depuis plusieurs années à l'herpès virus. Les chercheurs comme Jean-José travaillent dans les locaux de Stellamar pour relancer la production d'une huître plate qui lui est résistante. Cet herpès virus, en fait, il s'est développé principalement à cause du réchauffement climatique. Tous les ans, avec la montée des températures, il y a quasiment, à l'étang de Diane, 70% de la production qui meurt. Cette huître plate, elle n'y est pas soumise. Elle n'est même pas soumise à d'autres parasites qui peuvent décimer les huîtres. Et donc, elle est hyper résistante tout simplement parce que c'est une huître qui est présente depuis la nuit des temps en Europe. Et elle est adaptée à son environnement tout simplement. Par contre, il n'y a personne qui maîtrise cette production. Donc là, voilà, nous, on monte le programme de maîtrise de la reproduction pour pouvoir fournir aux ostréiculteurs des huîtres plates de façon régulière d'année en année. Les chercheurs aident les huîtres à se reproduire, puis élèvent les naissains dans des conditions optimales, avant de les remettre aux ostréiculteurs pour qu'ils poursuivent leur grossissement dans l'étang de Diane.
Cet étang, en fait, il est exceptionnel parce qu'il n'y a pas vraiment d'activité industrielle énorme autour. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez bien conservé. Il y a une production naturelle de phytoplancton. C'est un étang qui est marin aussi. Il dispose d'une huître exceptionnelle pour laquelle on va essayer de monter une filière de commercialisation. Les milieux lagunaires représentent 7% de la surface du globe et constituent de véritables réservoirs de biodiversité. Il est donc primordial que chercheurs et usagers travaillent ensemble pour pérenniser les activités et assurer le bon état écologique de ces écosystèmes. Dans notre guide hédoniste, on vous livre quelques bonnes adresses pour compléter cette escapade. Chaque samedi et dimanche matin, sur la place de l'Hôtel de Ville de Bastia, le marché traditionnel propose sur ses étals toutes les saveurs corses. Alors que la charcuterie, les fromages ou les poissons reflètent tout le potentiel du terroir, les produits transformés et les effluves des petits plats qui mijotent entraînent l'essence dans une promenade gustative 100% locale. Le long de la route qui longe la mer, à Linguiseta, chez Marie en Corse, est une institution. Cette petite pension fondée en 1967 est aujourd'hui tenue par Serge et Pascal, le petit-neveu de la fondatrice, la fameuse Marie. Entre les vignes et les plages, on vient ici pour profiter de la terrasse colorée, de la déco tout en objets chinés, pour prendre un verre, dîner ou passer la nuit. À Aleria, cité antique à la longue tradition viticole, le domaine du Clos Canareccia est géré par Titi, le petit-fils du fondateur. Cépages autochtones dans les vignes et vieillissement en amphore dans les chais marquent l'identité du lieu. Ici, on propose des dégustations, mais aussi des visites vin et histoire pour découvrir les méthodes de vinification ancestrales. Située entre les villages de Santa Maria Poggio et San Nicolao, la cascade de Lucelluline, l'Oisillon, en Corse, ne peut laisser indifférent. Elle se laisse admirer de nuit quand elle est entièrement illuminée, ou de jour, lorsque son eau fraîche et transparente se déverse dans un décor sauvage avant de poursuivre son chemin jusqu'à la mer. Cette virée gourmande ne serait pas complète sans une visite dans les cuisines du chef Guy Martin. Je vous propose un quasi de veau à la liqueur de myrte, pulunda à la châtaigne et olives. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 quasi de veau de 160 g pièce, 200 g de farine de châtaigne, 130 g de châtaigne, 400 g d'eau, 80 g d'olives noires dénoyautées, une botte de ciboulette, 2 tomates, 2 branches de basilic, un verre de liqueur de myrte, 30 g de fond de veau en poudre. Enlever le pédoncule et faire une croix sur le retour des tomates. Les plonger dans de l'eau bouillante 10 secondes, puis dans de l'eau avec des glaçons. Enlever la peau et réserver. Hacher les châtaignes, la ciboulette, les olives noires et en garder 4 entières. Passer la farine de châtaigne au tamis. Afin d'éviter de mettre de la farine de partout, il est préférable de la tamiser, par exemple sur du papier sulfurisé. Dans une casserole, mettre de l'eau salée à bouillir. Ajoutez la farine de châtaigne et remuez à l'aide d'un fouet pendant 5 minutes. Ajoutez les olives noires, la ciboulette hachée et les châtaignes concassées. Quand la pulunda commence à faire de la vapeur, débarrassez et moulez en cadre. La pulunda est un pain typiquement corse à base de farine de châtaigne. Coupez les tomates en 4, enlevez les pépins et taillez la chair en dés. Ciselez le basilic. Dans un cul de poule, mélangez les tomates et le basilic, puis assaisonnez de sel, de poivre et d'huile d'olive. Dans une casserole, délayez le fond de veau dans 6 décilitres d'eau. Dans un sautoir, faire revenir les quasi de veau, assaisonner et colorer joliment sur toutes les faces. Ajoutez une noisette de beurre, arrosez la viande pour la rendre encore plus fondante. Enlevez la graisse et déglacez avec la liqueur de myrte. Ajoutez le jus de veau, laissez réduire et adjoindre la viande. La myrte est un alcool à base de baies que l'on trouve sur tout le bassin méditerranéen et bien sûr en Corse. Détaillez la pulunda avec un emporte-pièce rond de 5 cm. Dans une poêle anti-adhésive ou avec un peu de matière grasse, faire revenir une minute sur chaque face. Pour le dressage, mettre le quasi de veau coupé en deux au centre de l'assiette, ajouter la pulunda tout autour et la concasser de tomates, verser la sauce sur le quasi. Coupez les olives noires restantes en rondelles et les poser sur la tomate concassée.
terminer par quelques feuilles de basilic et rectifier l'assaisonnement. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.